Bonjour à tous, nouvel épisode sur Transport Fever 2. Alors aujourd'hui on va terminer les chantiers qu'on avait commencé dans les épisodes précédents. Juste vous dire que j'ai remis les bus qui manquaient sur la ligne passage et bus Versailles B. Donc voilà, c'est fait ça. Alors on va terminer la route ici. Je pense faire quelque chose. On va peut-être remonter finalement. Ici. On va rester droit maintenant. À quel niveau on commence à descendre ici? Tac. Urbain, oui. On avait mis combien? 3 bandes. Conserver, très bien. Donc. Reste droit, on garde ce pont. Ouais, une petite descente, bon. Pas forcément gênant. Ici, on va passer au-dessus. Je regarde la courbe, ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, il y a un truc que je n'avais pas réalisé, c'est que je vais peut-être vouloir agrandir ça. Bon, après, on sera toujours à temps de refaire cette route-là, de l'écarter, de la mettre ici, peut-être. Donc, l'idée va être... Hop. Qu'est-ce qui coûte cher, ce pont? Alors, pause. L'idée, ça va être de continuer le pont ici, de faire un croisement là, d'arriver ici et de commencer à descendre pour venir, hop, déposer ici, hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire cette route, on va la refaire, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, parce que tu vas me gêner, je te connais. Alors. Ah, par contre, est-ce qu'on va passer là? Du pont. Oh, quel dommage. Ah bah non, là tu passes, très bien. Ah mais parce que tu descends, moi je veux pas que tu descendes. Ouais. Sauf qu'après là je continue pas. Si je tire encore plus loin, ça donne quoi? Ça aurait été tellement beau. Vous êtes pas d'accord? Regardez-moi ça. Mince. L'idée était bonne, je trouvais. Je pensais que c'était réalisable, alors comment on va faire ça? Collision, putain, c'est la cuisine, hein. Je veux pas pour faire grand chose à la cuisine. C'est à quel niveau la collision? J'arrive pas à voir. Sur les rails, on est bon. Alors comment faire pour que tu ne fasses pas de collision? Ah, c'est compliqué ça. Ça va être compliqué. Il manque pas grand chose, elle est là la collision. Bon, on va changer nos plans, hein, sinon on va pas y passer 10 ans dessus. Le truc, ou alors je passe derrière, hein. Ça peut être une idée. Ça donnerait ça, et après on fait des descentes. Des descentes pour rejoindre, ouais. Mais du coup, je sais pas, j'ai tourné trop ici, on peut faire ça, ouais, on va faire ça. Ouais, là on est pas trop mal. Ah, ça coûte cher, mais ça va être bon. Ici, ben voilà, je repasse ici, oui, tout simplement. Pas besoin de plus.
Donc ça va faire un premier périph qui va partir ici, après on agrandira et on partira là. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Ok, et à partir de là, tu peux commencer à descendre. Alors ça fait un virage un peu serré. Ok, toi tu vas me gêner, je vais te refaire plus tard. Hein. De toute façon, tu vas peut-être même dégager parce qu'on va te, récupérer. On va te récupérer directement sur le pont. Donc là, ouais, on va pouvoir descendre, ça gêne pas. Peut-être pas aussi fort quand même, même si c'est des voitures. Ouais, là c'est mieux. Non, remets-toi droit juste. Voilà. Ouais, ça donne un truc pas trop mal là. Donc on arriverait ici. On arriverait ici. Et plus tard on poursuivrait là. Ouais, ça me paraît pas trop mal ça. On a déjà la route ici. Ouais, ça peut être bien. On le fera plus tard, le côté nord. Ouais. Pour l'instant, on va faire ça. Tac. Rue moyenne, je crois que ça passait pas. Il va peut-être falloir un... Ouais, collision avec la gare. Ok. Alors, on va refaire ça aussi. Donc toi, je me sens que je vais galérer, je vais juste garder ce coin là. Voilà, tu restes là. Ouais, reste là. Impossible de raser le siège, déménagez-le. Mais évidemment. Tu vas venir là pour l'instant. Est-ce que je peux te mettre d'autres? D'ailleurs c'est pas trop mal en plus, le siège de la société en face de la gare. Hop. Ok, alors. Donc cette voie, est-ce qu'elle est utile encore? Je pense pas. Non, je pense pas qu'elle soit utile. Conserver. Tac, donc là on est bon. Ok, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Boum. Ensuite. Alors toi, on va te refaire. Est-ce qu'on a besoin de cette route en fait? C'est juste pour relier à... Pour relier à Granville. Donc non, en fait, on n'a pas besoin. Après, j'aime pas mal l'idée d'une sortie ici. On n'a pas besoin par contre qu'elle soit collée. Ah si, pour eux. Pour eux, parce que... Qu'est-ce que j'ai comme ligne là-dessus? Sainte-Anne céréale, tu livres là. Je me demande s'il y a encore une utilité. Mais non, tu livrais là, Sainte-Anne céréale, ouais. Donc toi, je sais pas ce que tu fous là. Oui, bon, je sais pas ce que tu fous là. Pourquoi j'avais cette route? Le carburant, on en a pas besoin. Bon, on reverra les lignes après. Je vais terminer ce que je vais faire. Ouais. Et en fait, cette ligne, je vais pas la faire comme ça. On part en route country, highway, trois voies 100 km/h, ouais, ça va être une autoroute en fait. On va partir directement d'ici. Voilà, parfait, une sortie. Ah non, parce que c'est du sens unique.
Voilà, pas mal, et on sort là-bas. Bon, là, je vais terraformer un peu. Tac. Il est où ta collision? Bon, ça, c'est pour le look. Elle est où ta collision? Ah, elle est là-bas. J'en ai besoin de toi? Non. Bon, après, il va y avoir un petit boulot pour récupérer toutes mes lignes. Hop. Voilà. Ok, alors, qui a des problèmes? Sainte-Anne Céréales. Ah oui, mais alors, commençons par les passagers. Donc, les trams arrivent ici. On pourra le décaler plus tard, ici, le pont. Là. Bâtiment. On va directement mettre le plus grand, électrique. Parce qu'on devrait avoir quelques lignes. Je suis pas satisfait, en fait, de la route, là. Ouais, non, c'est vraiment trop en biais. Conserver. Alors, attends, ça donne quelque chose comme ça. Ah. Mince. En fait, en appuyant sur Shift... Oula. En appuyant sur Shift... Ou alors je m'arrête là. On va voir quelque chose de plus... Ah ouais, voilà. En maintenant Shift, ça lâche le snapping. Par contre, je peux pas valider si je maintiens Shift. Et si je lâche Shift avant de valider, je récupère le snapping. Hop, voilà. Oh, t'es sérieux? Ah non, mais c'est parce que je peux vendre. Je voudrais un truc à peu près droit, au moins là. Voilà. Ok, c'est un peu mieux. Un peu biscornu, mais bon. Ça me va pas. Je suis désolé, je suis tatillon là, mais... Ou alors, attends, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Ah, c'est mieux ça. Ah, tu me le corriges, ça ne va pas ça. Ouais, allez, on va dire que ça va. Donc, on va récupérer visuellement un peu de symétrie avec, avec ça. Donc, là je suis symétrique. Hop, voilà. T'as récupéré la ligne ou pas? Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. Oui, c'est normal parce que j'ai pas électrifié. Caténaire. Ouais. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, les céréales. Alors, récapitulons. Pars d'ici. Ah oui, je t'ai coupé la route. Bah non, qu'est-ce que tu me fais? Et tu livres ici, d'accord. Oui, je sais, ça va, c'est pas parce que je ferme que je t'écoute pas. Donc. Route à deux voies, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. On va peut-être mettre... Voilà. Route de campagne, sinon je vais pas avoir la vitesse que je veux. Est-ce qu'on pourrait venir se raccrocher là? Ce serait pas mal. Passe là. Bon, ça allongerait un peu la ligne, mais ce serait joli, je trouve. On va essayer.
Pour garder un peu de... cohérence. Impec. Est-ce qu'on peut se raccrocher plus tôt? J'ai un petit... Non, je l'avais pas. Collision impossible. Là, on peut. Hop. Et ben voilà. Donc, j'en ai vraiment pas besoin de cette... ligne. Ok, c'est vraiment pas mal comme ça. On sent qu'il y a un potentiel de grosse ville. J'aimerais bien englober en fait cette usine. Peut-être même ce champ. Bon, après on peut détruire ces bouts de champ là, mais en gardant ça. Et faire ici quelque chose comme ça là. Alors revenir récupérer ici. Après cette route, c'est vrai qu'elle est plus très utile. Écoutez, ce qu'on va faire... Déjà... c'est venir récupérer au niveau du pont... Voilà, histoire de cadrer un peu la ville. Tous ces rails, on les refera, je pense. Bon, ok, c'est pas trop mal, là. Alors là, il va y avoir un passage à niveau, mais ça, c'est pas dramatique en soi. Que les voitures s'arrêtent ou les trams s'arrêtent. Alors, attendez, je vais rafficher les icônes, je les avais enlevées. Tac, tac... Voilà. Non, ça je vais en avoir besoin. Qu'est-ce que je voudrais enlever? Arrêt de bus, non. Industrie, navire, non. Non, sur le reste, on est bon. Ok, alors, du coup. Du coup, on va relancer la simulation. Qui remette tout en place. Ça a l'air bon. Ouais, il y a du... Allez! Allez les gens, tous à la gare. Au garde à vous, hein. Le premier qui bouge, on prend pas le train. Ils sont... Je sais pas pourquoi ils ont dû... Je sais pas. Bon, alors rapidement. Ah oui, j'ai peint un peu le contour de... le contour de l'aéroport. Hop. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup. Alors, je regarde si visuellement on n'a pas des choses qui choquent. Ici, peut-être. Ça, c'est le reste d'aéroport. Ça coûte cher, on en a des sous, c'est pas grave. Bon. Ok, alors, on avait un souci au dernier épisode, c'était ici. On a énormément de monde qui attend, mais finalement... Ouais, finalement, ça a l'air de se résorber. Alors, attends, montre-moi les lignes. Non, ça a l'air pas trop mal. Par contre, ça, c'est dommage qu'on puisse pas définir le nombre de voies ici. Parce que lui, il attend, du coup. Passer là. Bon, on va voir comment ça évolue. Sainte-Anne 1, Sainte-Anne 2, ça va. C'est Sainte-Anne Gare SNCF. Pardon. Et alors du coup... Putain, on se fait 10 millions de bénéfices. Du coup, bah, je comptais faire une ligne de bus qui passe par là. Mais est-ce qu'elle va être nécessaire pour l'instant? Ah oui. Oui, ici, ben voilà. Ok, elle va être nécessaire. Alors, au niveau des passagers, on va faire... Alors, est-ce qu'on a des... On a des arrêts de tram, là. Ici, on va pas en avoir besoin, non, en fait, non. On va juste créer une nouvelle ligne. Qui part d'ici. Qui va passer là. Tac, 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 tac. Elle va venir récupérer Sainte-Anne à 2. Non, attends, pas Sainte-Anne à 2 ici.
récupère là, ici. Ah, tu passes par là, du coup. Bon, je vais te mettre des points de passage. Sainte-Anne à 2, ici. Enfin, 1 à 2, d'ailleurs, je pense que là, on est bon. Et où est-ce que j'avais d'autres lignes? J'en ai pas une pour l'aéroport, si. Voilà, on va faire ça. Tac. Là, on revient. Alors, du coup. C'était où les points de passage? Hop, ici. Du coup, je vais te mettre un aller ici. Tac, un retour ici. Donc, on part d'ici. Ensuite, on passe... ici, très bien. Après, tu vas me faire rue de la Convention, oui. Transfert de Sainte-Anne par là, oui. Et ensuite, tu repasses ici. Voilà. Cette ligne... ah oui, ça c'est la nourriture qui est livrée là. Ouais. Alors, on va t'appeler passager bus. J'avais renommé comment? Pourquoi j'ai pas ma ligne là? Parce que j'y ai pas mis le véhicule? Oh, tu me l'as mis dans les trams, d'accord, bon. Sainte-Anne Navette Aéroport, donc on va t'appeler. C'est une blague. Saint. Alors, Navette Aéroport, elle. Ben, Navette Aéroport. SNCF Aéroport 2. Ouais, en fait, je vais la renommer comme ça. Mettre est-ouest, nord-sud, bon, c'est pas très grave ça. Donc, mon dépôt, dépôt de la voirie, oui. Je crois qu'on avait de nouveaux bus, non? Non, on est toujours sur les Mercedes, ok. Ils sont arrivés quand? En 54, on est en 61, on devait en avoir. On va en prendre 6. Et on vous met sur... hop. La navette 2, voilà. Ça devrait désengorger ici. Bon, ils ont pas encore compris de suite qu'il y avait un... On va regarder par contre sur quel terminal tu l'as mis. Oui, non, c'est pas, ça c'est pas très grave. Parce que de toute façon, il y a que deux lignes en fait ici. Alors là... ouais. Et vu qu'il passe ici... bon, ça va se faire tout seul. Alors, je voulais voir un autre truc avant de poursuivre. On va laisser évoluer un peu. Ouais, on est descendu. Parce qu'on a perdu en connexion, je pense. Si on regarde les destinations... alors, il y a Beaumont qu'on peut connecter facilement. On va le faire. Regardez. Ici, on peut continuer les rails. Hop, et venir chercher Beaumont ici. Donc... non, mieux, attendez. J'y repense maintenant. Attendez, vu qu'on va faire du passager, je vais enlever les... voilà, mieux. Elle est où ma boucle? Elle est ici, voilà. On va faire une ligne qui va faire... hop. D'ailleurs, il y a du monde ici. Qui va faire Moscou. On va peut-être récupérer un bout de rail. Produisez 400 articles. Dans une manufacture, ok. Bon, on a atteint les 400 ici sur le... sur le carburant. Lui, il est plein. Ah, elle rapporte, mais... ouais. Elle est pas forcément hyper rentable. Il y a peut-être un peu d'attente ici. Pff,
Bon, c'est à recalculer ça. Donc ouais, on va partir d'ici. Ouais, bon, on va juste modifier cette gare. Alors par contre... Tu es libre toi ou pas? Ah oui, c'est que j'ai enlevé... Bon, faudra aller retravailler ces voies. Alors ici, configurer. Attendons avant. J'ai un X ou pas? Ouais. Et toi, tu fais quoi? Bah libre. Oh, il attend. Ah, mais il charge à plein, ok. C'est bon, j'ai compris. Excusez-moi. Hop. Donc ouais, je vais les mettre sur le même terminal et je vais faire une voie ici de passagers. Moscou, terminal 2. Ok, ils se croisent ici après et après c'est bon. Mais du coup toi tu vas pas attendre aussi longtemps. J'ai mis quoi, 3 minutes? Non. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas rentable ma ligne. Ouais, vas-y, chargement si disponible, t'attends une minute. Hop, allez, repart. Donc, configurer. Un module sera supprimé, oui, bah oui. Je me doute. Plateforme de passagers. Bon, pour le look, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Bon, ou pas, ça suffit là. Tac. Underpass side entrance. Oui, parfait. J'en avais une là, j'en ai une là, donc les gens peuvent arriver de partout. Underpass inutile. Je dirais qu'on reste en vitesse fouine, ça met du temps à accélérer. 65, je crois qu'elle va à 125, 145, 120. Ah oui, mais elle est capée par les rails, par les wagons. Ok, alors, Saint-Gratien, on va te faire ta gare. Gare de passagers, on va laisser, ouais, on va laisser 160, deux voies pour plus tard, ça donne vers, viens, bon, je vais te mettre là pour l'instant, en plus on a les passagers à côté, ça va faire un peu d'émission, mais c'est pas dramatique d'avoir la gare à côté je pense. Alors. Oui, je sais, vous n'avez pas votre route de fête. Laissez-moi faire les rails tranquillement et je vous refais votre route. Logiquement, bon, il a l'air fait, mais ouais, je sais pas pourquoi je peux pas cliquer. Bref, ok. Alors, pour l'instant, on va voir qu'un donc, ok, c'est sur la même ligne ici. On va voir qu'une. Qu'un train, pardon, je réfléchis en même temps. On va
peut-être faire un tunnel en fait. Ouais, là c'est pas mal. Tac. Et sur le retour, donc, tu vas déposer les gens ici. Voilà, à droite en fait, vous croisez à... Vous croisez pas en fait, vous croisez juste sur ce tronçon là. D'ici à ici. Ouais, ça va. Donc, loco maxi 120. La nourriture, va falloir que je la retravaille là, c'est pas bon. Donc, lui il attend. Ouais, ça m'embête un peu qu'il attende. Je pense que les passagers attendent aussi longtemps. On va faire. Quelque chose comme ça. Ouais, en fait, je vais leur laisser leur deux voies. Si je me colle, on perd vraiment de la vitesse. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à me coller là. Ou alors, attends, on va faire l'inverse. Alors, on va partir d'ici. Et, ah, je suis peut-être arrivé loin. Et voilà, c'est la gare. Ok. Bon, après, c'est pas grave si on arrive à la route. Alors, Boeing 737, Lockheed Hercule et Einstwagen 2. 140 km/h, cool, par contre. Donc, là, tu vas vouloir... Non, on va y arriver. En fait, il faudrait que je parte d'ici, mais est-ce que tu vas te coller? Ah, tu te colles, mais génial. Comme ça, il n'y a pas d'attente pour vous. Lui, il reste sur sa voie. Et là, là, si je récupère ça comme ça... Ok. Donc juste un signal. Même pas, il a sa voix. Non, il a sa voix dédiée. Voyons voir juste les vitesses. Ah, ici, ralentir aussi autant que ça. C'est étonnant quand même. Je vais le refaire, à mon avis, c'est parce qu'il a calculé ça avec la jonction que j'avais fait au départ. Ouais, voilà, déjà on est à 116 là. C'est un peu mieux. Bon. De toute façon, on va mettre des unités multiples, c'est le truc le plus rentable. C'est le truc le plus rentable. Et donc ensuite, on va venir se reconnecter ici. Hop, si j'y arrive. Voilà, ici on a déjà les voies. On passe à travers la montagne, ça va être magnifique. Attends deux secondes. Ah bah oui, à droite, je suis bête. Il y a qu'une, donc on va prendre celle de gauche. Ah ouais, ça va être magnifique ici. Ça donne quoi? Ça donne un truc génial. Je pensais qu'on allait faire un tunnel, mais ça va être encore plus beau. Ça mériterait une belle loco plutôt qu'une unité multiple même. Alors attends, deux secondes. Pourquoi tu ralentis? Après 172 km/h, c'est quand même pas mal. Bon, on a du 200. Ah, c'est le virage qui te fait ralentir. Ok, ok. Pas ni problème. Oh, j'avais pas prévu ça. Ah oui, mais je suis monté à mort. C'est pour ça que c'était... Bon, après, pourquoi pas. Et on redescend sur Saint-Gratien. Ok, ça me va.
Mais on est monté autant que ça? Waouh! C'est pas grave, ça va être joli, ça me plaît. Et là, si je viens me reconnecter direct, donc on est à l'intérieur, collision avec. Bah non, il n'y a pas de collision, qu'est-ce que tu me racontes là? Connexion coupée. Ah non. Ah non, c'était pour une usine, très bien. Impec, on n'a plus qu'à. Oh, on a un bon truc là, je suis content. Tac, en plus, il y a les avions qui passent au-dessus, ça va être magnifique. On a un dépôt ici. Ici, ah ouais, donc il faudrait. Il faudrait que tu puisses faire ça. Je vais te récupérer là. Voilà. Tac. Ah, c'est cool comme ça. Il attend un peu longtemps, lui, je trouve, à chaque fois. Bon, on va voir. On retravaillera ça. Ok, donc on va créer la ligne. Donc tu pars d'ici, tu fais un arrêt, je me suis perdu, ici, Saint-Gratien, tu viens ici, et t'as pas réussi à connecter, si, c'est parce que je suis là-dessus, voilà, et tu reviens direction, tu t'arrêtes à Saint-Gratien, et direction Moscou, on est bien. On va appeler cette ligne. Alors. Non, pas transfert. Comment on peut appeler ça? Navette? Non. Mince, j'ai pas le mot. Un bus, ça pourrait s'appeler une navette. Qui fait la navette entre... Comment je pourrais appeler ça? Transit. Mais c'est pas très joli pour une ligne... connexion, on va appeler ça. Connexion boucle. Moscova. Ok, on revient ici au dépôt, et là on va se faire plaisir sur le train. Ça va ramener du monde, je pense. Alors, on avait les niveaux unités multiples, on avait que celle-ci. Ou alors j'en mets une... parce qu'elle perd pas en puissance. Elle perd pas en puissance si on rajoute... si je fais ça, par exemple, voilà. Là, on a exactement la même puissance, la même traction que si j'en avais qu'une. Donc, bon, ça c'est... Ok, ça on sait. Sur les électriques. Ah, celle-ci était pas mal. Elle coûte cher. Ouf. Dans la RE et sur le diesel. 90. Ah, la noix, bah parfait, 120. Elle coûte pas très cher. Ouais. Elle est nickel celle-là. 120, elle a une bonne puissance. Effort de traction 200 par rapport à elle. Effort de traction 260. Bah, elle coûte tellement plus cher. Ouais, non. Allez, au niveau des passagers, on va prendre du 120. On va en mettre 100. On est en médiocre, mais la ligne est longue et il devrait avoir le temps de les atteindre à ces 120 km/h. On en met une. On te met sur connexion boucle Moscova. Hop. Et on va le voir arriver ici. La fameuse Noab. Faire la ligne avec elle. Donc déjà à vide, on va voir si elle atteint ses 140. C'est vrai qu'elle met du temps à accélérer. Ah, on passe dans le tunnel, je l'ai loupé. Ouais,
un petit ralentissement et après elle va avoir peut-être un peu de mal à les atteindre. Les 120, c'est très possible. Alors est-ce qu'on a du monde qui attend? Ça fait du bruit. Bon, y a personne. Allez, on fait le trajet avec elle. Eux, ils se gênent pas et c'est génial. Ah, lui, il va attendre. Ouais, c'est parce qu'ils ont pas la même. Faudrait que je change la loco qu'elle ait la même vitesse. Ça s'équilibrerait. Alors, 80, il y a une petite montée, ça ralentit. Attends, on va passer dans le tunnel. Hop. Voilà. Oh si, ça va, 110, oui, ça va largement. En fait, si la ligne est longue, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse accélération. On arrive à Saint-Gratien. Et 6 passagers déjà, parfait. Ah, ça va être magnifique. Ah, ce que j'allais dire, voilà, on a les avions là-haut. Magnifique, j'adore. On passe à travers les montagnes. Elle a perdu un peu de vitesse dans la montée. Mais ça va à peu près. Bon, on pourra rapidement doubler. Et on arrive déjà en gare. Et voilà, on est déjà fourmis. Allez, déjà 12 passagers. Bon, elle coûte un peu cher pour l'instant. Par contre, on va avoir une fréquence un peu... minutes, ouais. Écoute, on va voir ce qu'elle donne. Par contre, ouais, je suis vraiment fier de ça, c'est magnifique, ce train qui passe à travers la montagne. Ici, on a combien de personnes? Oh, déjà 9, 10. Ah, ça, ok, c'est cool, ça avance. On va revoir ligne de bus, du coup, pour bien l'alimenter, ce train. Ok, il avait posé des personnes, là il en a récupéré encore. Donc il y en a qui ont fait l'aller vers Saint-Gratien, non de, vers Fourmi, de Saint-Gratien vers Fourmi, et au retour il y en a d'autres qui sont arrivés, donc il les récupère, donc ça c'est cool, il va jamais être à vide. Ah ouais, vous voyez au niveau bus, ça faut retravailler des trucs. Et ici, t'as combien de passagers? 12. Ah, je pensais que ça allait être plus rentable. Donc, 1,8 million, on va faire la soustraction. Je vais enlever les 1,9 million. Ah ben, je l'ai ici, ok. Donc, je peux multiplier par 5. Ah, ça devrait s'équilibrer niveau... niveau finance, on verra. Toi, tu reviens avec 39 sur 39. Et ici, on a... 118, donc on va pouvoir l'améliorer. Par contre, ça grimpe tout simplement parce que destination a augmenté. Et du coup, si on revient... Hop, petit lag. Allez, si on revient à Sainte-Anne... Waouh. Sainte-Anne-Versailles-Edo, oh là là. Voilà, on a augmenté forcément parce que du coup, les gens peuvent partir de la gare ici, venir ici, prendre le bateau, arriver ici, prendre un bus, et avec ce train, ils vont pouvoir, hop, rejoindre la boucle sud, aussi par... Ah ben j'avais l'avion, c'est vrai. Je l'avais un peu oublié. Bon, ça va connecter Saint-Gratien. Là, on était connecté. Oui, on va voir quelle... Ah ben, ça vaut pas là, hein. D'accord. Beaumont, ouais, qui est pas très loin, Carétance un peu plus loin... Gien, on aurait pu faire une petite navette qui passe jusqu'à Saint-Gratien, ouais. Pour être bien. Ah, 25 personnes, ça monte régulièrement, non, ça va. Guérande, Langres. Langres, il y a 42 personnes qui utilisent nos lignes. Grandville, 29. Ouais.
Et ça ne tente seulement 6%. Bon. En soi, c'est pas dramatique parce qu'on l'a vu. Faudra le faire d'ailleurs, travailler sur le transport privé. On l'a vu ici à Sainte-Anne. Par transport privé, on a 1759 destinations. Contrairement, enfin, beaucoup moins, mais ça reste quand même bien. Par rapport aux destinations utilisées par les transports publics, voilà. Par contre, si on livre... Alors attendez, je regarde juste où on en est dans l'épisode. Ouais, non, bon, on va s'arrêter là. Ça va être le... On va retravailler les lignes de marchandises dans le prochain épisode, je pense. Parce que là, on a 122 carburants en attente. Alors, il faudrait juste, en fait, doubler ici. Combien, toi? Tu peux prendre 200. Ouais, non, faudrait doubler pour améliorer la fréquence, finalement. Et est-ce que, ici, on a combien? 65. Bon, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, ça. Limite quitte à faire des camions qui font ça. Ce serait peut-être plus rapide. Et pour ajuster fréquence et taux, enfin ça, fréquence et taux, ce serait peut-être plus simple. À voir, bon, on va le réfléchir. J'hésite du coup pour la miniature de cet épisode. Vous savez déjà ce que c'est vu que vous l'avez vu sur la vidéo. Soit on a quelque chose ici de pas mal. Avec ce pont. Ouais, si quand même. Là on a un truc cool. Ou plutôt vu d'ici. Oh là là, ça commence à galérer. Ouais, vu d'ici là, ça commence à faire grande ville. Et c'est bien sympa. Ok, bon, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce qu'on a fait là aujourd'hui. Si vous avez des idées d'amélioration, je prends. Et puis ouais, prochain épisode, on va s'attaquer à retravailler nos lignes de marchandises, la forêt équilibrée, plein de choses je pense. Et voilà, c'est pas trop mal. Allez, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play sur Transport Fever 2.